Salut ce petit loup, c'est Méthos de la chaîne Méthos 3. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ensemble, nous allons monter la célèbre voiture de la Porsche 917KH, voiture conduite par Steve McQueen dans le film Le Mans. Et cette collection est éditée par XO Collection. Et donc, pour en savoir plus sur XO Collection et les collections qu'elle a, je vais vous mettre en haut l'adresse à taper dans votre barre de recherche. Voilà, www.xocollection avec un s.com. Donc voilà, donc ça c'est en haut. Et je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien de ce site internet. Donc vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus et aller voir ce qui se trouve chez XO Collection. Donc voilà, donc ça va être parti pour monter ce premier numéro. Donc voilà toutes les pièces à monter dans ce premier numéro. Donc avant de monter ce fameux numéro, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est très très important. Le pouce bleu, le petit commentaire, cliquez aussi sur la petite cloche pour activer les notifications et recevoir une notification pour les prochaines vidéos. Et puis parlez de la chaîne autour de vous. Donc, maintenant, c'est parti pour le montage de ce premier numéro. Go! Donc c'est parti pour le montage de ce premier numéro. Donc découvrons ensemble le fascicule de ce fameux premier numéro. Donc à savoir que la voiture, enfin la collection de cette voiture est à l'échelle de 1 huitième et qu'elle est éditée par XO Collection. Donc dans le fascicule se trouvent déjà plusieurs petits reportages assez intéressants. Donc le premier, c'est sur le tournage du film Le Mans. Et là, ce qu'il y a à savoir, c'est que Steve McQueen, même s'il n'a pas participé aux 20 heures du Mans de 1970, eh bien les images qui ont été tournées lors de cette édition vont servir au film qui sortira l'année suivante. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film Le Mans, je vous conseille fortement de voir. C'est un film qui est super bien. Dans ce film, Steve McQueen, il est vraiment magistral. Et vous pouvez voir vraiment sous toutes les coutures cette fameuse Golf 917 KH. Donc là, toujours des reportages sur la course. Donc ce qui est intéressant, c'est que les photos sont en plusieurs formats, que ce soit en noir et blanc et en couleur, je trouve ça vachement sympa. C'est vraiment magnifique. Donc je ne vais pas rentrer en détail dans ce qu'il y a comme reportage dans les fascicules. Je vous laisse découvrir ça. Donc si vous voulez vraiment découvrir ce qu'il y a dans ces fascicules, je vous conseille vraiment vivement de faire cette collection, car elle est vraiment magnifique. Déjà les pièces de ce premier numéro, on va les voir ensemble, mais que ce soit la couleur, que ce soit la qualité des pièces, c'est vachement intéressant. Donc voilà les pièces du numéro 1 que nous allons monter. Le schéma d'assemblage. Alors le schéma d'assemblage est vachement bien, la perspective est vachement bien précise. J'adore. Donc les différentes étapes. Ce qui est vachement bien dans les fascicules d'XO Collection, c'est que ça soit le schéma qui a une bonne perspective et les étapes où les pièces sont en couleur réelle, normale. Je trouve ça vachement intéressant. La vue de chaque étape est bien positionnée, ce qui nous facilite grandement la position des pièces. Donc voilà. Donc voilà toutes les pièces qu'il y a. Donc c'est parti pour le montage.
c'est la fin dessus. Et ouais, Kilo, c'est la fin de cette vidéo un peu spéciale de la Porsche 917 KH, voiture mythique conduite par Steve McQueen dans le film Le Mans. Pourquoi vidéo spéciale? Car j'avais déjà fait exactement la même vidéo, sauf que la fin a été un petit peu changée. Je m'excuse, car j'avais mal monté le phare qui est là. Au début, dans la première vidéo, j'avais mis le phare à l'envers, cette partie-là était à l'envers. C'est pour ça que j'ai préféré retirer la vidéo qui était parue hier pour refaire la fin de la vidéo, du montage, de ce phare et puis cette partie là où je suis en train de vous parler. Donc je suis désolé pour ça, je sais que c'est pas très professionnel, mais sans vouloir me défendre, le fascicule je l'ai eu en même temps que de tourner la vidéo. Donc c'est vrai que j'ai fait ça en direct, j'ai pas vu certains petits détails. Pourtant le fascicule est très bien fait. Le schéma de montage est très bien fait. Mais voilà, il y a eu un petit loupé, donc je m'en excuse encore. Et c'est pour ça que j'ai préféré être honnête et refaire cette partie de vidéo en vous disant que je m'excuse pour ça. Mais ça n'enlève pas le fait que les pièces faites par XO Collection pour reproduire la Porsche 917KH sont quand même de très bonne qualité. Donc là, même si c'est des parties en plastique, comme vous pouvez voir là, c'est quand même bien réalisé. Vous me direz, c'est que du plastique, c'est pas difficile à faire. Je vous l'accorde, mais quand vous voyez les parties en métal, les parties de la carrosserie, comme celle-là, je sais que vous pouvez pas trop voir bien les couleurs avec la caméra, le rendu n'est pas top top. Mais quand vous voyez la qualité, la finition faite, le paint, la peinture finie comme ça, je peux vous garantir que quand vous aurez ces pièces, si vous faites la collection, j'espère que vous ferez la collection, ces pièces dans les mains, je peux vous garantir que le rendu final il sera top top top. Donc voilà, donc c'était tout pour ce numéro. Pensez à aller voir le site internet d'XO Collection, www.xocollection avec un S. Pour aller voir comment ça se passe par rapport à cet abonnement là de la Porsche et voir d'autres abonnements. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo un peu spéciale de ce numéro 1. Je vous retrouve peut-être pour le numéro 2. Abonnez-vous si vous voulez et puis je vous dis à la prochaine pour le numéro 2 ou autre chose pour une autre vidéo. Voilà, ciao et kilou.